وي تي تولي نزول ونصوف يسول ولم د اضلي ذو غميس لكن لا تكرا نتوشيولين وغنتد ليبيي سساوي الدينار ذي ثمور شقاع تتغار ذاكي وكنا ذو حنا غار ثمور ما شاغاش ذاكينيا ذينيك خلفن ديال القانون اطاس قمذانن يخدمنا كتابع نرخا ما شاذانا فيك اطاس قمذانن كتفرس نربح ذي ثواغيث ذا مكي ديال راوايا شتا ذا مكي قال الحوض شدي قال القانون وكني غنزار تمثال تاكي ذا مكي تسدس تلقاي ينفق الحرمايط مدي ثبسا ماس ارزق اجر ويدن يقلنا فقارو الجروب غوفاست نيدا ثلاث كوبانيت غراسيو مس ازقجر ودن ازوفليك ازوفليك كمال ازوفنا وني دي سمخور ني دي تحسيسن الوقبل داك تكراس تقسيم ما مس ازقجر ودن اك جرات سوالي ثوا شول تيديو غنابيين غني دان دي اي دي لا ايدلي دي لا ايروبون او ليسن جينيرال روح عندي تكون بيت غراسيو ادخل كن اوغون سن وقت كثير ليس a annulé notre billet parce qu'on l'avait acheté en Algérie et il y a plusieurs personnes qui ont subi la même chose. Oui, on a, si on a acheté son billet en Algérie avec Eglazur, ils n'acceptent pas, ils ont annulé toutes les places. Donc je le dis, si vous allez le passer, toutes les personnes qui ont acheté leur billet aujourd'hui en Algérie, toutes les places sont annulées. Donc il va falloir se prendre à l'avance pour trouver et c'est un moyen pour nous faire revendre deux fois plus cher leur billet maintenant. Et c'est un peu inacceptable parce qu'on n'a pas été prévenu. Si on avait été prévenu, on ne l'aurait pas fait. Et du coup, on essaye de marchander et franchement, c'est pas sympa et c'est vraiment une communication horrible parce que Algérie fait la même chose et ils acceptent qu'on achète les billets en Algérie. Ça manque d'élégance. On attend de voir une solution. On a demandé à certains membres de notre famille pour voir ce qu'on peut trouver comme solution. Sinon, c'est billets annulés, vacances annulées. Voilà. كان مس ارزق جرودن تو شو تاكي وغندا بيدي الجزائر ماشي ما لحقنا على ايروبور وكنا سن ذا شو دي قال القانون غير ثم ستاكي ديجا ليبيا وني دورنا للجزائر مثني وغنتني ويديني ديوغان للجزائر ماشي كيف كيف نثني خلصنتن اون اورو ماشي دون لي زاجونس دو فواياج وغنتني دون لي تاكسيفون لي سيبر كافي دي فوا شي لي كوافور القهاوي Et 500 francs en espèces, de la main à la main. Donc, Mathilde Zerinidour, déjà. Mais le problème est le même. Oui, il y a des gens dans les agences, ils aillent. Mathilde nous dit directement, ils aillent. Quand on va à Daran directement, ils aillent, il y a les agences qui sont là, où c'est un trafic. Organisé avec des complicités d'Agui França, surtout à Paris et en région parisienne. Ça existe. Il a un petit réseau à Lyon, à Marseille, un peu partout, mais le plus gros à Tani de Paris. Agui dit à Dantoura, ça a un haq midnan, les billets vont tous les billets vont être annulés. Ailleurs, parce que nous, on est en France, le canon, ويسعر القانون الديار ان بيي اون دينار يسعر الحق ديال ان بيي اون دينار يسعر الحق ديال القانون لو بيرمي با وي دي سعام القانون يا كلكو سوسيتي كي بوف رامني دي تكنيسيان بور لي ديباني بور دي انجينيور بور ان بروبليم تكنيك يسعان ايتترا مي وي دي يخدم لي زيميغري كوم لي ديبلومات الجيريان كي سو انستالي على لترونجي n'ont pas le droit de payer leur billet en dinar. Ceux qui sont payés en devise doivent dépenser leur billet en devise. Le canon doit dire. Et là, il y a quelques exceptions en dinar. Mavdrind idrimen ilzayer, fken la devise, ou rend les dinars l'équivalent d'achat de billets. Ou inazmer. Mais là, c'est un justificatif de la banque. Et là, c'est un justificatif de la banque. Non, il y a les. Les étudiants, ils sont morts pour un an, deux ans, trois ans, ou ils ont le droit de rendre les billets, leur famille peut leur acheter des billets en dinars. Ils ont le droit, c'est respecté par l'instruction numéro 08-2001 du 30 décembre 2001 qui fixe les règles d'une façon claire, nette et précise.
les agences de voyage disent et oui ceux qui traficotent des guides français connaissent la réglementation par cœur. Ahsan, nous tenons non dinar, oui guides les immigrés nationaux sont en devise, ils sont en euros. Et oui, dès que tu dis, on te nomme marché au noir. Donc, il y a un transfert d'argent d'une manière illégale, je te l'ai dit. Mais beaucoup, c'est des sommes importantes. C'est des sommes importantes. On aurait pu tolérer un cas, deux cas comme ça, etc. Bien sûr qu'on aurait toléré. Ce n'est pas ces cas-là. Le problème, c'est un trafic à une grande échelle. Douagi, il est, et les agences qui font ça, s'exposent, les agences qui procèdent à ce trafic, d'abord se mettent en danger et s'exposent à de graves sanctions. Il y a des sanctions, parce qu'on a déposé des plaintes en France, on va déposer des plaintes en Algérie, donc le trafic est un trafic, et c'est un trafic. Il y a un trafic à Diyar, en connaissance de cause, dire Sobli ne pourra pas voyager ni sur Aigle Azur ni sur notre compagnie. Même les autres font la même chose parce qu'on est là pour respecter les réglementations. Mais comme la loi existait depuis 2001, mais à Chouara, est-ce que ça peut s'appliquer ou est-ce que ça peut s'appliquer? Jusque l'armée dit comme ça, le trafic qui commence à se faire. Mais Machi, khilla. Asgwasagi, ce Mahid Rajuf, Machi, c'est des dizaines, c'est plusieurs millions. Il y a tout un chiffre d'affaires qui revient de droit aux agences de voyage installées légalement d'Aigle France. Il n'y a pas que Aigle Azur qui est touché dans ce trafic. Il y a toutes les agences de voyage en France et qui utilisent les impôts, qui travaillent honnêtement et en règle avec les lois françaises, qui sont touchées parce que c'est un chiffre d'affaires. Au moins, ils se rendent au profit des petits truands. Je me suis dit le mot, mais c'est des truands. Je vais insister sur une chose, un billet. ذاكي خلصيت دو لا ما لا ما خاص في كاس دان بي روسو الى قاد يغال غرس از دي رومبوشي قبل افون كي سوا ترو تار خاطر سو كي اون اشتي لي بي كوم سا وين يديرون وصرحوا نرا نعاود عاودنا تخلصون لو بي اون دوزيام فوا دونك يفو ميو اد روح اني برين لور ديسبوزيسيون مي كون ويا الشغل سنتسوى المرا غير اللي كليون كي نتسوى مثل التليفون كون كوا فوتر بيي ني با فالاب في حل 700 مليون اللي فورا تحمد رومبورسي نوثني وقيسني سمح لي يتقرا سيدي تريون يسني نوزن وكازان في غرض النيميرو نسن ديك الساعه لي دوسي نكوني لي دوسي سي دي ميليي دوسي ماشي دي سونتين دي ميليي دو توت لا فرونس ديسي نوفمبر ديسمبر. C'est des milliers de personnes. Il n'y a pas un seul où il y a un dossier et de Noufa avec un numéro de téléphone ou qu'il y a ni à y voyager ni d'y en habiller. À Kinmalan, c'est des centaines et des centaines d'exemples d'agis sur moi. À Kinmalan, c'est le téléphone de l'agence elle-même. C'est celui, le complice en Algérie, de l'agence algérienne, qui met son numéro de téléphone personnel. On a prévenu l'agence qui a émis les billets. Non. Il y a un passager par passager. Il y a un anecdote. Voilà. Prière de prévenir le client en toute urgence de l'annulation de ce dossier. Une autre remarque. Vous avez émis un billet dans le sens France-Algérie en infraction à la réglementation en vigueur, vous exposant à des sanctions prévues par la loi. Instruction numéro 08, article 2.2. Ou est-ce que parce que nous connaissons... Donc, c'est un mail qui gagne à les agences et qui gagne les billets gagnés. Chaque billet, chaque réservation, chaque passager, c'est le système de réservation NAN et le système de réservation qui est le même des agences de voyage. Et à chaque passager qu'on annule, chaque client qu'on annule, on leur met
cette phrase-là, prière, prévenir en toute urgence le client de son annulation, et la phrase à Guy pour leur dire que vous avez émis un billet en infraction avec la réglementation en vigueur. Et c'est à eux, au Kounin Haouz, au Kouvelal de Sartori et le bureau, souvenir de 50 passagers qui sont concernés pour demain, après-demain, etc. Un seul numéro au Kylian. Donc on n'a pas de numéro de Kylian. Et qui connaît ça déjà, on les aurait prévenus avec grand plaisir, parce qu'on a varié un femme d'adoron, à ce n'est ni attention, on a remboursé avant qu'il soit trop tard, etc. Vous connaissez, moi j'ai mis une cellule pour ça. Finalement, il n'y a absolument aucun contact. Donc d'où, je remercie Berber TV et Kamal de m'avoir invité justement pour passer ce message qui est là qu'on a remboursé. Mais il est bien de cette mort. ماشي تمرت ماشي تمرت لان بوتيت لا يونا شين ناثلاثا مي اوغونتني داك الملان داكي اوغونتني ديال القهاوي اوغونتني ديال التاكسيفون اوغونتني ديال سيبر كافي اوغونتني دون دي بوات دو دوميسيلياسيون واست ان اكسبورتاتور وا يسعى كان ان غيشي ان بيرو اريف بخميس نايل بافيون اينس وي تروحوا للقهوه ما القهوه يزنوز لي بينس ماشي دون زين اجونس دو فواياج كي سون كونو. C'est ça le problème. Khalsantin de la main à la main. Ou les chouini rohan dans une agence de voyage, avec une licence d'agence de voyage, il y aura ou de Ferrari pour l'instant. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est des personnes qui ont des billets en gros, des mourts, ou bien ça va être un élevé à Dagin, comment? Ou les chouini en gros, à Michadi Roh, ça donne l'information à signer mais vraiment le billet moins cher en Kini au lieu de 600 euros qui te 400 euros arrêtez d'ici d'abord arwa et même à trois le 2 août retour le 28 août hasan et l'homme quoi ça il envoie un message à l'agence algérienne qui lui réserve là-bas à Siskine à Sinathir le billet réservé khalsi. Ah, c'est un espace, c'est imprimé, c'est une étiquette. Ou là, je devais avoir des billets en gros. Ou de faire une lavure, ou de faire une rien du tout. Ça rend au fur et à mesure, au nom de la personne. Tout là, c'est un trafic qui veut dire. Jusqu'à il y a quelques années, c'était les cartes volées. Là, ça rend avec des cartes de crédit volées. Si c'était un autre trafic. Oui, non, on les a stoppés aussi. Enfin, toutes les compagnies, mais tu as acheté une connaissance. Sur le fin de le billet, c'est un système vous dites X le ça doit être un agent de voyage à l'origine à la Marseille. Il s'arrête donc ça s'il profite du taux de change parallèle et du taux de change officiel. Mais à ce dire on connaît Stenzens au taux de change parallèle en le vend au taux de change du jour. Et nous tenons à ce dire d'ailleurs tous les billets d'agir la majorité, la quasi-totalité, khalsantin, en devise et en espèces. Et en espèces. Et leurs billets sont marqués en dinars. Mais nous ignorons en devise, le problème est là. Mais ils ne l'ont pas acheté dans un circuit légal. D'agir Gwaran, d'agir Unhara. Oui, d'agir Ruhan, à Thmourt, dans une agence de voyage, Nashi'ana Vavatsun, elles ont dit un billet. Assigné oui, les passeports. Les passeports là, des Wali, ils donnent en France. Assigné, nous sommes là. Le canon. Hacha, ce moussini d'agi, le trafic agi, il y a toujours un intermédiaire entre l'agence de voyage algérienne et le client d'agi. Et Wagi, l'intermédiaire agi, Wagi, tu remènes le kahwa dans un cybercafé, etc. etc. Win, à Diaron, dans un cybercafé, dans le kahwa. Un billet qui est en espèce, il y a ça quand même. Ce n'est pas légal. Mais l'agence, est-ce que c'est une agence sans l'agrément, etc. Sans l'agrément, oui. Sans l'agrément. Donc, c'est illégal, mais c'est de oui. Donc, on va dire qu'il y a d'abord, en premier lieu, l'agence Nizanzan. Qu'on a sanctionné, qu'on va sanctionner, sur lesquels on va déposer plainte. Oui, déjà existe. Après, on a dit
les intermédiaires qui ont violé aussi la loi en France sur les agences de voyage. Les agences de voyage, c'est une profession réglementée. N'importe qui ne peut pas se porter agent de voyage. Erreur, parce que les agences de voyage peuvent envoyer les gens à l'étranger, ils encaissent de l'argent avant de payer les compagnies aériennes, avant de payer les hôtels, avant de payer les tour opérateurs, etc. Donc c'est une profession réglementée. Sans licence, on ne peut pas pratiquer ce métier-là. Donc on est à Rouhan, à dire dans une arrière-boutique, un billet d'avion, et ça quand même, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais tout le monde s'est dit, Monsieur Jarwidin, c'est qu'il n'y a pas de milliers de personnes qui ont été envoyées. Oui. Mais oui, quand ça a mal le téléphone, il y a des gens qui ont été envoyées, qui ont été envoyées, qui ont été envoyées, qui ont été envoyées. Et tout le monde a dit, mais j'espère que je vais rattraper un petit peu, ou bien le mois d'août, etc. Alors, on va présenter à l'aéroport, parce que là, oui, il se donne, c'est où on a un ordre de faire un الان وليدي تسنى مي داك نوالي الروبورتاج اللي زقل لي تسن ديريكت على الايروبور تسن ديريكت على الايروبور نكوني الي امبوسيبل نسعى اسما ونسن اون ا لور نو اون ا لا دات دو ديبار اون ا لا دات دو روتور مي اون ا اوكان مويان لو سول مويان نكونوي موت شعبان دات صوردي ون سي سا سي لي ميديا سي اونيكمون لي ميديا دايما يشاورونا encore pour passer ce message et j'espère qu'ils vont aller très très vite grâce au reportage enfin l'information à Defim Kounoui j'espère qu'ils vont essayer de récupérer leur argent d'autres billets en tout cas on fera le maximum tous pour les embarquer si leur argent est remboursé, il n'y a pas de problème mais avec les billets qui sont trafiqués ou les choix yadine, la khatankini si on connaît avec l'azur Manrovelithen, on participe à la violation de la loi aussi. Mais est-ce que les autres compagnies seraient devenues la même chose? Mais tout le monde doit faire la même chose. Ils sont obligés de faire la même chose. Le canon, c'est la Banque d'Algérie. Il faut être strict. Donc on est dans les pays où on exerce, on respecte la loi, on respecte les règlements. Et moi, de nature, je ne peux pas... Moi personnellement, quand il y a des gens qui ont des trafiqués, un dinar, un euro, je vois rouge. Ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. C'est quelque chose... Le trafic a dit... طماع يوعر ما خير الله فهمارتن parce qu'ils travaillent pas, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les moyens, etc. Il vaut mieux peut-être ne pas partir, il vaut mieux peut-être repousser à une autre date pour payer moins cher que de prendre des risques comme ça. Les risques comme ça, ma d'ordre le hadja, il y a un mec ma d'ordre le hadja la sauvette au marché aux puces. L'autorité dit arrose, arrose, l'autorité m'a trinque, c'est voilà. Bon. Mm-hmm. Le problème, c'est ça. C'est un peu dommage parce que y avait une solution à ça, c'était de vérifier d'abord, Madaron, il connaît Doron, vérifier tout de suite. On ne serait pas dans cette situation. Mais d'ailleurs, oui, à l'aéroport, Masnini, oui. ويديني أسن سيود ويسوال لا ويدي سودن وساند ويديك وغيديوخ أرنزن دي دي منسون دونك بلي فيت يسو غيبه ياد روحن أدوني دي منسون بلي فيت يزون لا شوز دونك الميساج هناك إيفان ذاك إني ويدي ديوانا كيغين غلي بيستاوي لاكيني إلا قد روحنا ويدي سن دي زنزن أدرون بولسيني دي منسون وقبل سنروح لي دي منسون وسنروح مكانو ميمتون فوالا Donc moi, de rembourser les émissions ou d'avoir un billet d'une manière légale. Et le plus tôt serait le mieux. Il dit non, parce que vous avez besoin de rembourser, que ce soit là, vous avez besoin de rembourser, comme il dit. Donc il faut qu'il fasse vite pour se faire rembourser et réserver de nouveau. Donc, tu n'as pas de dire, c'est que vous déposez plainte à les agences qui ont demandé des mecs. Ah oui. Ou là, je vous m'en souviens. Les agences, mais c'est qu'il y a non. Non, qu'il y a toujours des agences. Donc c'est les agences. Vous voulez que demain, je vois la guerre ou la loi. Mais est-ce que c'est un message que j'ai envie de dire, mais qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire, et qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire,
Oui, c'est vrai, il y aura le billet, mais il y aura peut-être quelques jours de départ. On connaît le problème, on a rajouté. Surtout à ce Gosagui, les départs sont étalés. C'est également le 2-3 août de mémoire où l'avion est chaud. Il n'y a pas un. Au retour, on transporte entre 14-15 passagers et 40 passagers au maximum sur des vols. Donc c'est vide. À partir du début août, 3-4 août, on va mais à quoi ils vont depuis le mois de juin, juillet, jusqu'au 10 août, avec une malade, et la fin août, début septembre, avant le 5-6 septembre. Comment organiser ça? Il y a un décalage entre le nombre de sièges à l'aller et le nombre de sièges au retour. Au retour, c'est dans un mouchoir de poche. Alors, on va faire pour même si on perd de l'argent, et on perd beaucoup d'argent. Donc on met des avions à vide, trop à vide, fin septembre, on aura une vingtaine ou une trentaine de vols supplémentaires, à Drohan, Farant, les avions à Durant, Chorot. Donc c'est une perte sèche aussi, mais à Drohan. Et cette période, c'est quelques jours de plein à l'aller, et pratiquement jamais au retour, ou plein au retour, jamais à l'aller. Et fin août, chez Guy, l'avion, même le vol régulier, il est vide. Il est tacharara. C'est mal du roi. Mais les vols supplémentaires, où il y a un passager d'achat. Ensuite, toute l'année, à ce que il y a plus de 20 promotions. Un billet à 254 euros. مش حاجة غير تصغيمة تصغيمة لنا 108 أورو علي رتور دونك 54 على لي 54 أورو رتور ذينا يفو انلفي أبوبخي 16 أورو دو فخي دو ريزيرفاسيون سا سي الريزيرف يشونج اون فوا مي سي أ شاك فوا كيل يشونج سي 8 أورو دو بلوس 8 أورو دو بلوس et ainsi de suite. Après, il y a une commission de 1% pour l'agence, c'est pas beaucoup. 54 euros, à Choudirine. C'est vrai que c'est une anecdote, mais il bosse nous râler dans une destination de Marrakech, dans un avion. À l'époque, on faisait quotidien, Koulès, Paris-Marrakech-Dorly. Une fois par semaine, il est programmé comme ça, l'avion de Choral à Roissy. Il est à côté de moi, au premier rang. C'est une promotion de 99 euros. Aller-retour. Il est hors taxe. Il roule là, Charles de Gaulle, il est là, c'est vrai, il est là, on est à Charles de Gaulle, il gère ton mobile, il est à Roissy. Donc, si ça a le bagage, si ça a le bagage, je dors, tu feras taxi, le premier, à taxi, ou alors tu te resserres avec le deuxième, tu feras le premier, il est si tu vas aller, il te fera taxi, ou le missionnaire, il est là, l'avion. L'embouteillage sur la 3, nous sommes dans la porte de Bagnoli. Il y a un voie qui me rend les bêchettes de la voiture. Je me dis le compteur 63 euros. Il dit qu'il y a 100 euros. Il y a un massif qui est pour boire. On connaît 100 euros aller-retour et 40, c'est ça le prix. Avec le kérosène, il boit à Athéna. Et toute l'année, on perd un argent fou toute l'année. Et puis dans tous les commerces du monde, c'est la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Mais cette période, je suis toi. Mais réellement, qui fixe les prix? C'est le marché qui les fixe. C'est le marché. C'est l'offre et la demande. Toutes les compagnies aériennes, qu'est-ce qui fixe les prix? C'est une mais machine. Pourquoi les compagnies aériennes, on a l'impression qu'elles ont les prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fixe vraiment les prix? Non, ça s'aligne les compagnies. Non, il n'y a pas les mêmes prix. Il y a quelque chose près. Toutes les destinations au monde, c'est pareil. Mm-hmm. Il y a un prix, on commence à un prix d'appel. Et on commence. Ou qui est 700 euros, et ou qu'on y donne en février, à 240 euros. Les premières places. Mm-hmm. C'est les dernières places qui sont chères.
Vous connaissez le système. Plus vite on achète, plus tôt on achète, moins on achète, on paye cher. Toutes les destinations au monde, c'est comme ça. On connaît en mai, on lance un prix, un petit prix. Après, c'est la machine qui fait son travail. On n'intervient pas. Au fur et à mesure où il y a la demande, c'est des classes de réservation. La machine ferme. Il sait que 10 places sont vendues en 10 minutes. Il saute une classe, et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est le système, c'est les systèmes eux-mêmes qui fixent. Ce n'est pas nous. Nous, on a fixé les règles et le système le fait tout seul. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir les billets accessibles qui sont en vacances de Timbourg? Oui, d'ailleurs, on a qu'une malle, on a moins cher. C'est des dates. On est le 8 août, deux jours au live. Là, il y aura le 30 août. Encore une fois, tout le monde veut faire. Les dernières places qui restent, ça se vend très vite, les dernières places qui restent, le système ne peut pas les brader, on ne peut pas les brader, on ne peut pas les vendre à n'importe quel prix. C'est impossible. On vend quand il y a de la place. Donc, oui, il n'y a rien de pas cher. Il y aura après le 7 et le 8 septembre. Mais après, il y a une semaine, je comprends. Je comprends parfaitement. Mais on ne peut pas faire un prix et les encourager à venir le 30 août alors qu'on n'a pas de place. Mais est-ce quelque part c'est la flotte d'un athéisme dans ce mois, mais il y a beaucoup d'avions qui peuvent transporter tous les passagers? Non, encore une fois, il y a une demande, le vol plein à l'aller, le vol plein au retour, et ils ne seront jamais à ce prix-là. C'est un aller et un retour. Le billet, il est coupé en deux. La date de départ, c'est un prix. La date de retour, c'est un autre prix. S'il décale d'un jour, deux jours, trois jours, avant ou après, le prix peut changer du simple au double. Mm-hmm. Et au retour, c'est kiff-kiff. Mais au même temps, et le reste du temps, les avions sont vides, c'est ce qui arrive. Au Kouniad, les avions reviennent vides. Il n'y a pas 15, des fois, 10, 14, 15 passagers dans l'avion. À l'aller, c'est 70%, 65%. Mm-hmm. Mais Madurani sont vides. Après, tout le mois d'août, après, à l'aller, après l'Aïd, les avions sont vides, Mansoub. Madurani, pendant une semaine ou 10 jours, les vols sont vides, mais sont pleins, mais ils sont partis vides. Rouhan, Pharaon, les avions. Mm-hmm. Ce n'est pas. Il y a des destinations touristiques, les Kharnaïran, Khalos, à la Grèce, à Winet. La Grèce, à Rouhan, là où il y a des destinations touristiques, l'avion a des Rouhan pleins à 100%, a du Rouhan plein à 100%. Tous les vols comme ça. C'est pas pareil, mais c'est kiff-kiff. Et les pays voisins, la Tunisie, le Maroc, est-ce que c'est le même prix? Le Maroc, tu là, tu me connais, dans ce moment, Casablanca, c'est plus cher qu'Alger, aux mêmes dates, à certaines dates. Tunis, c'est aussi cher qu'Alger. C'est pareil, c'est le même phénomène. Là où il y a du monde, le Maroc, il subit la même chose pour les travailleurs, les destinations comme Casa, etc. Pas les destinations touristiques. Mm-hmm. Les destinations touristiques, c'est des charters en général. Adrohan, encore une fois, l'avion plein. Il y aura le plein. On fait la Grèce, on fait la Turquie, on fait l'Espagne, on fait le Portugal. D'abord, on est affrété, c'est 100% à l'aller, 100% au retour. Mais tu kiff-kiff. Il ne faut pas confondre les destinations qui sont. Touristiques, l'aller-retour et sur le vol. Voilà, c'est pas pareil. Alors, un petit traitement pour organiser surtout la saison estivale, mais le départ, mais le retour. Parce que le départ et le retour. Comment il fait la compagnie pour répondre à la demande? Là où il y a de la demande, à l'aller, on n'a mis aucun vol supplémentaire à ma connaissance. Il n'y a pas. Parce que Mazel Imkouane, sur les jours à venir, jusqu'à Al-Aïd, Mazel Imkouane. Le problème, c'était le retour. Le retour, on met des avions de nuit. Encore une fois, on connaît notre personnel. Il est payé 50% plus cher la nuit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous arrange. L'avion, il part complètement vide. À Dural, Bachadia, oui, les passagers. Donc, on ici, c'était pour gagner de l'argent. C'est, on ne peut pas laisser des passagers qui ont voyagé et demandent, sinon ils ne voyagent pas dans nous. Donc, la demande est très très forte pour le retour, uniquement pour le retour. Uniquement.
Sinon, depuis le début de l'été, il n'y a pas un seul, à ma connaissance, vol où on a refusé des places. Et Ramadan, c'est calme, c'est toujours calme. Mais madame de l'Aïd a dit. Et puis, il y a des gens pour la rentrée scolaire. Tout le problème est là. Est-ce que le problème, c'est que l'ouverture de la réservation, février, c'est que les gens se réservent des billets à la dernière minute. Il y a encore une fois la même date, départ le 8 août, retour le 30 août. En février, il y avait des billets à 240 €. Et ainsi de suite. Les 10 premiers billets sont vendus, ou 15 sont vendus à 240, les 10 suivants à 300, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Alors, le billet, est-ce que tu as fait le compte du billet? Parce que maintenant, il y a des taxes, tu as fait l'aéroport, des carros, etc. Comment on fait le calcul d'un billet où il est rentable pour la compagnie ou il est simple et le passager? On regarde le coefficient de remplissage, déjà. Sur quoi on compte? On table sur 60%, telle période, 70, telle période, 40 ou 50, telle période, et ainsi de suite. Après, on regarde le prix de l'assistance sur place, le prix de l'assistance au sol, le prix du survol là où on va, la consommation de kérosène, le temps qu'on met sur place pour revenir, le temps d'escale, ce qu'on appelle le temps d'escale, parce que pendant le temps d'escale, il y a le groupe qui alimente l'avion, il y a le tarmac, il y a la passerelle, et redem autour, tout ça sont payés par le temps qui reste, l'INA. Et c'est tous ces éléments-là. Nier de la dernière fois, un avion plus lourd consomme 14% de plus, c'est vrai. Sur certaines destinations, on consomme, le Portugal par exemple, on arrive au Portugal, c'est 35 minutes d'escale. 35 minutes. On revient. Parce que les gens descendent vite, embarquent vite, ils n'ont pas beaucoup de bagages en soute, donc ça. Un avion de 215 passagers sur environ 12 à 14 minutes pour embarquer 215 passagers. Sur les destinations où il y a des bagages, c'est au moins 45 à 50 minutes minimum. Tout ça, ça compte. Pendant qu'on est sur l'escale de départ, c'est pareil, on a un groupe, on a le stationnement de l'avion, on a le personnel qui est autour, on a la passerelle, tout ça c'est payé. Et puis, il y a un point important, il y a des pays où il y a des taxes moins chères que d'autres pays, ou plus chères que d'autres. En Europe, les taxes sont beaucoup moins chères qu'en dehors de l'Europe. Donc tout ça, ça compte. Un billet TTC, il n'y a qu'un billet de 254 € TTC, il nous revient à 108 €. Enfin, c'est 108 € et qui ne reste pas en totalité dans la compagnie, parce qu'encore une fois, il y a le système de réservation qu'il faudrait déduire. Donc, la commission. Donc, mais si on fait un billet de 250, en quelque sorte, c'est 50 € pour la compagnie. Est-ce que c'est la compagnie? À l'année, oui, absolument, 54 au retour. Le reste, c'est des taxes, les taxes d'aéroport de départ, les taxes d'aéroport à l'arrivée, les taxes de sûreté, ceux qui fouillent, etc., c'est le passager qui paye. Quand il y a certaines taxes qu'on appelle taxes Chirac sur les classes affaires, on paye une taxe sur la classe affaires. En Algérie, il y a d'autres taxes, voilà, donc on paye les taxes de départ et les taxes à l'arrivée du pays qu'on dessert. Alors, tu as la flotte, la demande, le marché de l'Iglazur, la part du marché, la part de marché tourne autour de 40-45% à peu près France-Algérie, et on n'augmente pas, on ne baisse pas depuis quelques années maintenant. C'est les ventes en France qui baissent à cause de ce trafic et les ventes en Algérie qui augmentent. Mais sinon, le marché n'a pas beaucoup augmenté. Les promotions ont boosté, on a transporté beaucoup plus de passagers, mais avec un coupon moyen, ce qu'on appelle le prix moyen du billet, qui n'arrête pas de chuter.
le prix moyen du billet ces deux dernières années, je dis bien deux dernières années, a chuté de plus de 30% entre la France et l'Algérie. Ça, c'est des statistiques qui sont accessibles à tout le monde. Mmh. Qu'on peut trouver dans le site de l'aviation civile française, etc. Ils sont accessibles à toutes les compagnies. Et la flotte, ça renforce Sims ? La flotte, on a ramené un 13e avion qui est arrivé avec les nouvelles couleurs, etc. Cette année, on a rentré 3 avions. On a surtout sorti des avions, on souffre les avions qui sont un peu plus vieux, pour les ramener maintenant, toute la flotte, à moins de 3 ans et demi, les avions. Donc, c'est une flotte d'avions neufs. Et c'est ça l'objectif que j'ai commencé déjà il y a 4 ans ou 5 ans, que j'ai terminé cette année. Après les nouveaux avions du long courrier, ça arrivera, Inch'Allah, au mois d'avril 2014. Justement, vous avez le long courrier, vous avez annoncé que vous avez le vol à la Chine, mais le Chinois, le capital, la compagnie, mais vous avez le vol. En avril 2014, Inch'Allah, à partir de septembre, il y aura les réservations, on pourra commencer les réservations. Et on va lancer petit à petit les destinations de long courrier. On a eu quelques. Les pilotes notamment et les personnels navigants. Donc on continue les négociations sur les conditions de travail, sur le long courrier. Tant qu'on ne sait pas, on est proche d'un accord. C'est ça surtout qui nous a retardé. Donc c'est un problème interne. Oui, parce que il faut négocier avec les syndicats les conditions de travail. Donc on se met à l'arrêt, on lance le gouvernement. Et Thura, on approche, Inch'Allah, c'est pour ça qu'on l'a programmé en avril. Et d'ici septembre, Inch'Allah, on met l'accord avec les syndicats des pilotes et de tous les navigants. Ça a pris beaucoup de temps. Alors, tu vois que tu sais, mis à part que c'est l'attachement à ta sœur Koveli, Le service au client, je suis attaché. D'abord, Hassam, je suis attaché à ma langue. C'est tout à fait naturel, c'est normal. C'est la moindre des choses. Mais pas seulement. Mais c'est un système, c'est plutôt la langue, l'annonce en Kabyle, c'est des mesures de sécurité. Parce que, attachez vos ceintures, qui vivent dans les montagnes, donc ça facilite aussi le travail au personnel de bord, parce que mawalin fahman, que ce n'est les écouteurs, que ce n'est dernière chute d'interrogation, ça leur fait du travail au moins. Les hôtesses et les stewards, ça dit c'est beaucoup plus facile, on s'est rendu compte de l'amélioration. Et puis, dans les salles, parce que kif, là où il dit d'avoir un tréman, il y a des magasins, il y a des gens qui ont des défauts, mais maintenant, on commence à embarquer. Moi, je suis sur le bagage, donc ça nous facilite beaucoup. En arabe, c'est pareil, en bambara, c'est pareil, en russe, après en chinois. Donc tout ça, c'est indispensable. Quel que soit le pays, il faut qu'on puisse, si le respect vis-à-vis de nos passagers, il y a une langue qui fait marathayod, et bien il y a une langue qui fait marathayod, c'est normal. En tout cas, on a constaté une amélioration depuis qu'on a à bord les consignes de sécurité. Et au sol, donc ça nous facilite. Pourquoi on est en retard? Puisque j'ai de l'occasion à Kamel Semhaya, les retards, souvent 90%, 92% des cas, à part les pannes par-ci ou par-là, c'est la recherche des passagers.
en ce moment, en été, on a jusqu'à 12 personnes. 12 personnes, ils sont maintenant, et qui travaillent les passagers. Parce que moi, nous devons faire, nous devons nous faire, nous devons faire le bagage. Mais nous devons faire le bagage, des fois, c'est une heure. Souvent. Et de plus en plus, on essaie d'être strict parce que, malgré le soir en retard, ça fait boule de neige, du ralad, du ralad en retard. Et c'est 90% de nos retards de Wigi. C'est les passagers qu'on cherche. Ça commence le matin et ben ça se termine, ça fait boule de neige sur les autres vols. La nuit d'une femme, mais la nuit d'une harouaradikim, la nuit d'une très manouchère avec leur famille, à la dernière minute, le contrôle du scanner, la sécurité, il y a beaucoup de monde, la PAF des fois, n'en parlons pas, en fonction où est l'avion, des fois jusqu'à 10 minutes, donc tout ça nous cause énormément de retard. Donc c'est un appel aussi, ma daoudon, ma enregistrer, tout de suite, à la salle d'embarquement, on n'aurait eu jamais de retard. Alors, en face, quand vous êtes sur la route, vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu partout à l'échelle nationale. Un peu partout à l'échelle nationale. L'an est mort, un dernier an, l'an c'est partout. Il y a des agences qui trafiquent beaucoup plus en nombre que d'autres. Parce que quand c'est, encore une fois, Zioni dit chien, il misère d'agi, il familien, c'est parce qu'on a de mnara. On a harouar, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un trafic. Mais c'est quand les gens s'enrichissent sur le dos d'autres personnes. C'est du vol et c'est du trafic. Il connaît quelques cas, il rôde parce qu'il s'est allé dinar, etc. Contrairement à ce que disent les passagers, oui, ils disent ça, c'est normal. Mais dans l'aéroport, quand ils ne sont pas prévenus, la quasi-totalité, ça rendouille tout de suite. Parce que ça fait que vous dites, c'est un chef, mais c'est comme ça. Mais il connaît quelques passagers où on aurait annulé personne, on aurait fermé les yeux. Les agents, c'est tout. Mais là, c'est encore une fois, c'est à l'échelle industrielle. Alors, tu as dit que les étudiants, absolument. Les associations aussi organisées avec un. Mais il faut vérifier qu'ils organisent par exemple un concert. Ils invitent un groupe de musiciens. Soit immigrés, soit étrangers, soit. C'est des associations. Il y a les entreprises d'autres sociétés pour le dépannage, les contrats, comme c'est marqué dans l'instruction, pour leur dépanner une usine ou autre, leur faire une réunion de négociation. C'est des cas comme ça précis. Les étudiants, oui, ça fait longtemps l'État, pour ne pas les laisser, pour ne pas les pénaliser, les étudiants, ça a été un peu de temps. Mais, tout à fait en règle. Ils n'ont rien à craindre. Ils ont un visa. Ils ont un visa. Ils ont un visa. Ils ont un. On ne peut pas le considérer comme résident à l'étranger parce que c'est avec un visa. Mais Dagi, oui, il y a des passeports faits au consulat Dagi, ça a des passeports parfois français aussi, double nationalité. Donc, c'est pas le fait de double nationalité, il n'a rien à voir, mais c'est le fait. La loi, elle est claire. Même il y a des gens qui sont en Israël, il y a des gens qui sont en devise, ils ont le droit de dire en dinar. Un Algérien, par exemple, qui travaille à Alger, enfin en Algérie, et qui est payé en devise. Il a un compte SEDAC en Algérie. Là, un khilla. Eh bien, il n'a pas le droit. Parce que les sociétés qui n'ont pas de domicile fixe, qui partent pour un projet pendant, à préparer un projet, un mois, deux mois, six mois, un an,
ne s'installe pas définitivement. Il y a un centre de santé sur le compte SEDAC. Et bien, il y a un centre de santé sur le compte SEDAC. Même s'il réside en Algérie. Le canon est là. Ils touchent en devise. Encore une fois, ils n'ont pas fait entre les immigrés, il y a même leurs diplomates. Les diplomates, c'est des fonctionnaires. Et ben, ils sont payés en devise. Et ben, leur billet, ils les payent en devise. Ils n'ont pas le droit d'acheter en Algérie. Donc, il y a des إلا قد سولنا ندو عن ليبيا ندو عن بورسين وضحنا ندو عن ليبيا دو مانيار ليغال ذاكي دي فرنسا القانون يدي فرنسا 2001 ديسمبر وسني سمحة رضو حنس دي بوايا أساس ليبيا ميكي Absolument. Encore une fois, les billets d'Oran, ils sont libellés en dinar, mais nous ثني, la quasi-totalité, روحنا ذاكي خلصون les euros. Parce que pour les pays moins chers, تخلي سنتين en euros et en espèces. Uniquement. Ce qui fait Wigi le trafic d'argent. Donc Wigi, il faut qu'il passe très très vite, qu'ils aillent très vite se présenter pour se faire rembourser, acheter dans n'importe quelle agence leur billet. En règle, une agence qui a une ancienne, qui a une licence, etc. Comme ils connaissaient avant, tu sais, beaucoup de... Même à l'échelle des statistiques, dès les agences, c'est que mais sur les chiffres d'affaires, c'est souvent l'une des raisons de ces Ben, avec le quartier de l'an, où il y a du trafic, on voit les agences qui arrivent d'Inna, ils sont des chiffres d'affaires, c'est mieux. C'est ça, ça impacte des gens qui travaillent, les agences qui travaillent honnêtement. Voilà. Ok, un tel message que j'ai envie de vous dire, c'est un message que j'ai envie de vous dire, c'est les réservations, et que j'ai envie de vous dire, un petit conseil, oui, Rohan, quelle que soit la date, malheureusement les promotions sont pas éternelles. Il d'Ahmad faire la promotion à réserver. Mal à Runvdo, plus vite ils réservent, moins ils vont payer cher. C'est tout. Madasna, oui, ils vont aller moins cher. Il y a une solution. Encore une fois, c'est réserver le plus tôt possible. Mais on a réservé le plus tôt possible, jusqu'à moitié, parfois plus, que le prix à la dernière minute. Voilà le conseil, et puis Sahar Mdanouan. تلميرتي مساء الخير تلميرتي خول متلك كون ودي دلي دا سلام هذاك اللي نهث مساء الخير ودي يرد في استقسين في التزاره تصول بعدا السين استقسي غمزورو ذو ودي تاغن ليبيا سل دينار تخلص انت لورو داكيني دو مانيير ايليغال انشتي غيني سي ان ترافيك دارجون ان متولم ذاك اللي شيف ندير الحقن ما ذاك لا ودي وانا كي غيني ليبيا سن سات مانيير الى قد سونا لاجونس دو دورون اي وقت دارون بورسيني دري من سن ودارن بي سن دو مانيير ليغال ذاك دي لي زاجونس ذاك دي فرنسا ما سمسات انا فيك الغلا دي بي ولا ما سالت خجر ودن يرد غفوس تقصير ثاني مرثن وني مد ميدنا غد من الغيد ون تشكي